Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chou, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs Pokémon pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs Pokémon à avoir dans votre équipe pour votre aventure à Kanto dans les remakes de Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu. L'équipe que je vais vous proposer est subjective. Il s'agit de mon analyse personnelle sur le jeu. Pour débuter notre aventure, nous n'aurons pas le choix que de prendre le Pokémon devant la jaquette de jeu. Soit Pikachu pour la version Let's Go Pikachu, soit Evoli pour la version Let's Go Evoli. Logique. Normalement, je ne devrais pas faire de différence entre les deux versions. Cependant, il est indéniable que les joueurs de Let's Go Evoli seront beaucoup plus avantagés et auront plus de simplicité à battre le jeu plus rapidement. Malgré les buffs de statistiques et quelques nouvelles attaques signature, Pikachu reste très faible et pas très intéressant. Alors qu'Evoli obtient tous ses avantages en mieux et en plus grand nombre. Donc pour cette vidéo, je vous conseillerais d'acheter Let's Go Evoli, afin d'avoir un Pokémon ultra puissant qui pourra littéralement vous torcher le jeu tout seul, très simplement et rapidement. Le deuxième Pokémon de votre équipe sera Rattata d'Alola. Et oui, les formes d'Alola sont disponibles dans ces jeux. Et nous allons bien en profiter car aucun Pokémon de la génération 1 n'est de type ténèbre. Et pourtant, c'est un type qui dominera grandement bon nombre de dresseurs de Kanto. C'est pourquoi, dès que vous arriverez au centre Pokémon d'Azuria, échangez votre Rattata de Kanto tout fraîchement capturé à la route 1. Votre Rattata de type ténèbres et normal évoluera au niveau 20 durant la nuit en un gros Rattata d'Alola. Il vous sera très utile pour battre Koga, Morgane ainsi qu'Agata au Conseil 4. Le troisième Pokémon de votre équipe sera Bulbizarre. Il vous sera donné par un dresseur à Azuria dans la maison à côté du Pokémon Center. Après avoir capturé au moins 30 Pokémon dans le Pokédex. Bulbizarre évolue en Herbizarre au niveau 16, puis en Florizarre au niveau 32. Il sera votre tank principal. Avec son accès à Toxique, Poudre Dodo, Abri, Synthèse ou encore Giga Sensu, vous pourrez regagner des PV tout en éliminant votre adversaire à petit feu. Si vous vous débrouillez bien, vous pourrez déjà l'utiliser pour battre Ondine, ainsi que Giovanni et Olga à la toute fin du jeu. Il vous sera également d'une bonne aide pour combattre Jesse et James qui auront tendance à beaucoup empoisonner votre team. Le quatrième Pokémon de votre équipe sera Salamèche. Même méthode que pour Bulbizarre, il vous sera donné par un dresseur à la route 24 au nord d'Azuria, après avoir capturé au moins 50 Pokémon dans le Pokédex. Salamèche évolue en Reptincelle au niveau 16, puis en Dracaufeu au niveau 36. Vous pourrez rapidement remplacer votre Rockpool pour ce puissant Pokémon, qui plus est possède deux méga évolutions qui vous seront d'une grande utilité pour la fin du jeu. Il pourra battre aisément Erika, la championne plante, ainsi que Peter, le maître dragon du Conseil 4. Et il vous simplifiera également les matchs contre Koga, Morgane ainsi que Olga et Aldo. Le cinquième Pokémon de votre équipe sera Kabuto. Au début de votre aventure, lors de la mission au Mont Sélénite, vous choisirez le Fossile Dôme. Effectivement, vous obtiendrez votre Kabutops tardivement dans le jeu. Cependant, si vous allez au labo de Cramoisil avant d'aller affronter le champion feu et que vous lui mettez quelques petits bonbons de V et gains de niveau, vous pourrez rouler sur Augusta sans avoir besoin de switcher. Pareil pour Giovanni, ces Pokémon de type sol ne feront pas l'affaire contre lui. De même pour les Pokémon de type glace de Olga et les types vol de Peter. Sans parler du combat final contre le rival qui se fera atomiser en quelques secondes. Le sixième Pokémon de votre équipe sera Goopix d'Alola. Une deuxième forme d'Alola pour votre équipe. Vous l'obtiendrez tardivement, cependant il vous sera utile pile au bon moment. Avec un peu d'entraînement, il vous permettra de battre rapidement Giovanni ainsi que les dangereux dragons de Peter du Conseil 4. De la même manière que le type ténèbre de votre Ratatack, le type fée de votre Fenard vous donnera un avantage certain contre la plupart des dresseurs de la route victoire. Vous l'obtiendrez au centre Pokémon de Céladopole en échange d'un Goopix de Kanto. Ce dernier sera trouvable aux routes 5, 6, 7 et 8. Effectivement, il s'agit d'une exclue à Pokémon Let's Go Evoli, ayant conseillé plutôt de jouer effectivement à ce jeu plutôt qu'à l'autre par rapport au choix du starter. Cependant, si vous jouez quand même à Pokémon Let's Go Pikachu, je vous conseille d'échanger votre
Sablero de Kanto pour obtenir sa forme d'Alola. Les deux Pokémon évoluent avec une pierre glace. Elle sera achetable au 3ème étage du centre commercial de Céladopol pour 5000 Poké-Dollars. Ou encore à la tour Pokémon. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous, ciao.